Moussier, il pour avoir de nous. Et l'Espagne, il pour avoir de nous avoir battu là, parce qu'il n'est pas pour nager. Ça, c'est quoi le mélange? Allô? Moi, je vous dis à mon camarade, un député qui nous a envoyé les jeunes tout seul, ça, sept députés, même là, les jeunes Al, Diego Garcia et les Américains quand je trouve là. Une autre affaire qui me souhaite bravo à Pravin Gagnon. L'Aubier, la banque, qui s'attoile coûte 600 millions, l'Indien n'est pas pour laisser passer. Et vous faire réflexion, si de t'y faire bien, et si, pour quitte raison, de t'almettre Paul Béranger sur photo. L'ONG. Si t'as nous dévalié, ça peut là, avec son MMM, qui, si aussi, ben là, tu peux le faire bien, 10 ou 10. Et si, mettre sur photo, marquer quand les bonnes camarades, ça vient là pour faire walk-out dans une poste. Bonne camarade, là, les soutiens intelligents. Bonne ministre, comment ministre la santé? Et où là? Ça Gaïan, ministre Anil Gaïan, ministre de la Santé. J'ai où la drogue, pas à la mode. Là, aujourd'hui même, une biblienne ou un journal. 64 cas. Il a pensé quoi? 72 madame Anzo. Des madame. Et la 22 jeunes en bas de 35 ans, ils mourent. Et il y a où? Il n'est pas à leur mort. Mais mon bras, la drogue, elle nous a sur la tête, ça. Pour lui, il y a où elle l'a fait pareil. Un niveau de mort, un enfant mort, lit 100% un enfant pour sa famille. Pour pas venir, il n'est pas à leur mort. Mais il n'est pas capable, un ministre de la Santé, de donner une seule opinion. Il est bizarre, il donne l'opinion au ministère. Mais là, nous vous prenons compte, moi vous prenez compte, d'abord, moi vous dis à vous, des trois cas, pas une question. Et d'ailleurs, on vous félicite, tout le monde, parlementaire, nous ensemble, nous finissons rester sans question d'abord. Et sans question qui nous fait fracas, qui nous dévoile la vérité. Bon, vous commencez, donc, la santé même. Et là, là l'hôpital Pamplemousse, et là, un scanner. Pourquoi tout le monde connaît ce qu'on appelle un scanner, une machine, qui prend un extrait spécial, 15 bananes. Il finit gagner sa machine. 3 ans en panne. Dépense 500 000 roupies pour réparer. On pose question. 3 mois de cela. À ce qu'il y a là, je commence en stand-up pour remplacer. Bon, une autre question me poser. Et dans ma négligence médicale, une madame Beau pour faire une opération à un jeune spécialiste. Il sert à madame une cobaye, un cobaye. Il fait opération. Parce que là, vous lève quelque chose d'apparemment. Ministre, avant d'y répondre moi, il y a un chef d'hier qui dit tout va nous aider des spécialistes. Arrêtez bien l'appareil qui appelle la paroscopie pour faire opération. Là, il vient de moi, réponse d'apparemment, il y a moi, oui. Et là, une négligence de la maison médical council. Mon camarade, patriote, laisse-moi venir une question là-bas. Je connais parlement, département,
expliquer clair. Et la question, il n'est pas grand pour moi. Laisse-moi dire ce qui vient. Parce que moi j'aime beaucoup les dents pour ça va dépendre. Moi, comment je passe si comme je connais la SICOM et la madame qui gagne 1 million roubles par mois. Combien parmi nous? Moi-même, moi, je ne gagne 1 million roubles par mois. Vous ne pas penser qu'il y a quelqu'un ici. Et il y a un dictateur dans le département là qui dit qu'il n'y a pas de bonus. Et quand on pose une question, le ministre Badin, il ne répond pas non ça. Il dit oui, il gagne avec tout un bonus, il gagne 1 million. Dans sa même la banque là, quand un politicien seul, un monsieur là-bas, il sait comment vous seul dit, il dit oui, oui, monsieur, combien vous voulez, combien vous voulez. De moi encore. Pareil, moi monsieur, laisse-moi la radio. Demande 1,1 million. Héros, il dit oui, monsieur, oui, monsieur. Quand l'affaire a éclaté, l'air a si content. Ça montre où, comment, je dis que la relation, la cause finisse, je vais faire 1 million. Et là, un autre, lui, qui est ancien directeur, CEO de la même la banque, là, il gagne 400 millions de roubles à peu près dans 3 ans. Ou divisez ça, mon camarade, ou vous gagnez vertige. Chaque 3 jours, l'in tous 1 million roubles. Ou vous gagnez vertige, et combien parmi nous, nous vous levez 5 fois 10 fois, nous pas pour gagner 400 millions. Ça, c'est la banque, mon fracas. Mon camarade, je gagne l'occasion. Je vais finir le chat. Pour dire ça, qui m'a envoyé un mémo. Monsieur Pravin Jagnat, pour dire dans ce budget, considère sa détroit point. Considère réduire. Va qui nous payer 15%, réduit par 1 ou 2%. Et laisse-moi dire où, quand il y a ça à notre là, il y a quoi du billet. Moi, je dis, considère un petit monde qui est extrêmement riche, qui gagne 1 million ou plus d'intérêt par an, je ne puis pas payer taxes, l'eau, ça, l'intérêt. Et sans oublier, moi, un dentiste, et lui-même, Pravin Jagnat en 2010, il se donne 2000 roupies pour tout un monde qui est dans la fausse dent. Moi, je dis, augmente ça. Mon camarade, parfois, plus que ça, dès que vous dites jeune, nous ne faisons du travail dans le Parlement, nous pouvons faire du travail ensemble avec jeunes. Nous travaillons encore, nous conquérir tous les 20 circonscriptions et avec jeunes, avec tout un nouveau membre qui bouge dans nos bureaux national. Et laisse-moi dire jeunes, bien hier d'une cause en jeunes, je trouve beaucoup députés et ministres parmi ça. Bientôt, nous pourrons pouvoir et avec jeunes, et moi dire jeunes, grand merci. Moi, pour une le docteur, nous avons l'occasion de dire après ce qui travail qu'il peut faire dans le Parlement. Moi, pour un le privilège là, présente un ébauche de nos programmes de société, nos projets de société. Il va dans les détails un programme gouvernemental
Nous pouvons avoir l'occasion pour finir, ajouter bonnes affaires certainement. Mais ça, je vous oublie, il y a 10 axes, 10 grands axes dans lesquels nous, projet de société, pour caler. Première guitteuse important, c'est le renouvellement politique. D'abord, c'est un système assez patriarcal, faire politique, et souvent, il y a une dynastie qui crée. Et ça, il empêche. Il empêche du monde de respirer. Comment dire, peine à l'espace pour le monde de circuler. Nous croyons qu'il y a important, il y a un renouvellement de la classe politique. Et nous pensons qu'il y a important, il y a un engagement, il y a un nouveau du monde engagement. Et tout à l'heure, j'ai pris l'occasion de guetter qui manière nous pensons, avec ma nouvelle la tête qui nous mobilise, ma nouvelle figure, qui manière nous avons envie d'aider pour qu'il y ait une nouvelle vision dans ce pays-là. Nous pensons que le renouvellement politique est important, et là, comme ça aussi, nous finissons qu'ils ont envie de faire politique autrement. Deuxième chose, l'unité nationale. Et ça concerne de rien, nous appelons rien d'une ingénierie culturelle. Mes camarades, l'unité nationale est quelque chose d'extrêmement important. Depuis 45 années, un peu plus, depuis l'indépendance, nous faisons du travail, nous faisons beaucoup d'efforts, tout le monde dans Maurice nous fait des efforts pour qu'il préserve et défende l'unité nationale. Mais nous réalisons en même temps que nous, l'unité nationale est basée sur le côté. Souvent, nous, on a, comment dire, nous tolérons nos voisins. Nous accepter ce qu'il y était. Mais nous allons plus loin que ça. Mais si nous avons envie d'aller plus loin que ça, nous allons aller dans une autre phase. Une autre phase de sa construction nationale. Là. C'est elle comprend. Elle comprend l'histoire de nos voisins. Quand ils sont sortis, dans qui milliers sont sortis, dans qui l'histoire de notre peuplement, l'histoire de notre culture, de notre langue, pour capable vraiment construire une deuxième phase de nos nations mauriciennes. Nous pensons que sa nouvelle culture là que nous prenons est capable d'encourager une culture de mérite et d'équité. Il faut encourager une culture de responsabilité et de transparence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui dans Maurice de la méfiance. Nous avons dépassé ça. Et nous pensons que si nous avons construire l'unité nationale d'une manière plus prononcée, nous avons revoir de manière qu'être nos voisins, qu'être nos pays, qu'être l'histoire, nous battre du monde qui nous sortit depuis des hauts et demi. Il y a beaucoup d'aides, bien sûr, je ne pas connais, je ne pas intéressé. Ou bien personne ne va montrer les autres, personne ne va dire les autres. Et il y a un peu autant ça, qui ça travaille là à faire, et ça travaille là à faire depuis dans la case, dans la famille, et y aller dans l'école avec l'histoire, etc. Troisième petite chose importante, et c'est nous, l'intégrité nationale. L'intégrité nationale, je fais une tournée qui peut arriver ces temps-ci, avec Diego Garcia, Chagos, l'ultimatum qui, nous, Premier ministre, finalement, ban anglais, ban américain. Il est important qu'il nous, pour une seule nation, comme une seule du monde, nous allons défendre, nous allons poursuivre ce qui vise à poursuivre dans la Cour internationale pour récupérer ce qui est pour nous. Réforme constitutionnelle et bonne institution. Nous pensons que dans le Parlement, vis-à-vis de la réforme dans le Parlement, instituer un comité parlementaire permanent. Vis-à-vis du Parlement siège.